Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les bases en bourse, c'est-à-dire ouvrir un compte TIPS ou un PEA, plan d'épargne en action, ou même les deux, c'est encore mieux. Alors, cette vidéo s'annonce surtout pour les gens qui débutent en bourse ou qui ne sont pas très actifs en bourse. Déjà, avant toute chose, il y a la volonté d'investir en bourse qui est présente en fait parmi la plupart d'entre vous. Et néanmoins, vous ne savez pas obligatoirement comment passer à l'action. La première chose toute simple à faire, en fait, est d'ouvrir un compte-titre. Ce compte-titre, en fait, c'est un compte où vous allez pouvoir loger vos actions, vos obligations, vos SICAV, toute valeur mobilière, les valeurs mobilières. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous n'êtes pas encore investi en bourse et qu'un jour vous souhaitez acheter une action en direct, même si ce n'est pas ce que je conseille, ce que je préconise, je suis plutôt, comme vous le savez, sur les ETF ou sur les SICAV, quoi, une bonne diversification. Donc encore mieux, si vous achetez une SICAV ou un ETF, il vous faudra obligatoirement avoir un support pour pouvoir loger vos actions. Donc comment ça se présente en fait? Le compte titre, c'est un compte qui est indépendant de votre compte bancaire et qui vous pouvez et dans lequel vous pouvez loger vos achats et vos ventes de valeurs mobilières, actions, obligations, etc. Donc ce compte titre subit en cas de vente de titres avec une plus-value potentielle, qui est réalisée, donc une plus-value effectif réalisé ou réalisé avec R, plus-value réalisée, une imposition. Donc vous allez avoir une imposition sur la vente, puisque comme vous le savez, en fait, à chaque fois que vous vendez un titre en France et que vous gagnez de l'argent sur ce titre, vous allez verser une partie de vos gains, de votre plus-value à l'État. Donc jusque-là, tout va bien. Dans le compte titre, il n'y a pas de plafond. Techniquement, vous pouvez investir 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros ou de dollars, comme vous voulez. Il n'y a pas de plafond. À côté de cela, le législateur a mis une formule qui s'appelle le plan en épargne action, PEA. Ça, je pense que tout le monde a entendu ce terme. Le plan épargne action vous permet d'investir en bourse sur les marchés européens, sur l'Europe, PEA, ou alors sur un ensemble de valeurs mobilières, des SICAV par exemple, où il y a au moins, attention c'est très important, au moins 75% d'actions européennes, actions de l'espace économique européen. Donc c'est très important, parce qu'en fait, par exemple, techniquement, dans un PEA, vous ne pouvez pas loger des valeurs américaines, des États-Unis, parce qu'on est en dehors de l'Europe. Néanmoins, il y a des petites subtilités associées à ces exceptions. Je vais y revenir plus tard. Le PEA connaît, lui, par contre, un plafond. Le plafond est de 150 000 euros. 150 000 euros de versement. Je vais prendre un exemple simple. Vous versez sur un certain nombre d'années 150 000 euros d'ETF sur des ETF, SICAV, titres, tout ce qui est au-dessus des 150 000 euros, ça a le droit de rester au sein du PEA. C'est uniquement ce plafond de 150 000 euros sur vos versements. Si ces 150 000 euros, au bout de 30 ans, parce que vous avez suivi des bons conseils comme les miens, se transforme en 800 000 euros, vous restez dans le PEA, puisque vous n'avez pas déplacé le plafond de versement initial de 150 000 euros. On est d'accord. Pourquoi le législateur a fait ça? Eh bien, comme vous le savez, on est dans un espace européen et il a fait ça pour favoriser la détention d'actions européenne. Donc c'est pour ça qu'il y a une enveloppe fiscale. Par contre, vous pouvez très bien investir sur les mêmes valeurs en dehors du PEA.
C'est-à-dire que vous pouvez prendre des titres européens sur un compte titre. C'est tout à fait réalisable. Alors vous allez me dire, pourquoi, si c'est dans le PEA et que je ne paye pas d'impôt jusqu'à un certain plafond, pourquoi investir sur le compte titre? Eh bien, la réponse est simple. Si vous avez besoin de cet argent pour un projet personnel, l'argent dans le PEA, vous revendez ces actions, par exemple vous revendez les 800 000 euros que vous avez obtenus au bout de 30 ans, il reste dans le compte liquidité PEA. Tandis qu'à contrario, si vous revendez avec la même plus-value ces titres sur votre compte titre ordinaire, on va l'appeler, là, l'argent va sur votre compte courant, compte bancaire. Compte courant. Néanmoins, là, l'argent sera frappé de fiscalité. Si par exemple on est au prélèvement forfaitaire libératoire, 30% de fiscalité sur la plus-value. Tandis que dans cette situation-là, il n'y aura pas de fiscalité. Pas de fiscalité. Néanmoins, attention, à partir du moment où vous sortez du compte liquidité PEA pour remettre l'argent sur votre compte courant, là, vous allez payer de la fiscalité. Donc, il y aura une fiscalité plus allégée puisqu'elle correspondra uniquement aux prélèvements sociaux. Donc, environ un peu plus de 17%. C'est 17,2%. D'accord? Donc l'avantage du PEA, c'est de rester dans l'enveloppe fiscale, faire grossir son patrimoine en étant à l'abri de la fiscalité tant qu'on n'a pas vendu. Tant qu'on n'a pas vendu. Tant qu'on n'a pas vendu, je précise, et qu'on a remis l'argent en dehors du PEA pour l'utiliser pour des projets personnels, par exemple l'achat d'une voiture, par exemple. Donc voilà la différence. Attention, seconde subtilité au PEA. Je pense d'ailleurs que je vais faire cette vidéo en deux parties puisque c'est assez lourd à digérer pour des débutants. Donc, subtilité du PEA, c'est que vous avez aussi la possibilité d'investir sur des valeurs en dehors de l'Europe à 100%. Alors là, ça se complique un peu. Vous allez me dire comment c'est possible puisque vous allez me dire... Tu viens de dire que c'était uniquement réservé aux valeurs au moins 75% européennes. On est d'accord. En fait, il y a un système qui a été inventé par les financiers il y a environ 2-3 décennies maximum, qui est un système de swap. Swap. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tout simplement, vous voulez acheter un ETF avec des valeurs américaines, mais le loger dans votre PEA, vous allez pouvoir le faire en prenant un ETF à réplication synthétique. Cet ETF à réplication synthétique, en fait, va